Bonjour à tous, là on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Attendez, je crois qu'il y a un petit bug. Attendez, il y a un petit bug. Est-ce qu'il y a un bug ou pas? Non, il n'y a pas de bug. Allez, bonjour à tous, là on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un jeu Airline Manager. Donc c'est un jeu super, voilà. Vous savez, le jeu Airplane Manager. Mais vous avez Airline Manager par Airplane. C'est quoi, c'est pas comme dans Airplane. Donc là, donc c'est un jeu... Pas un jeu de gestion, mais c'est un jeu, je veux dire, qu'on fait... Bah, j'ai ma propre compagnie arène, ou quoi. Ma compagnie arène s'appelle Frenchler. Voilà, donc là, les points, en fait, si je vous raconte un peu le jeu... Bon, vous inquiétez pas, on fera du Megapolis, aussi, on fera tout. Vous inquiétez pas s'il y a... Non, bon, vous inquiétez pas, mais en fait, si vous voyez des petits avions... En fait, les avions, en fait, ils sont pour... ce sont les points quand vous appuyez sur les avions. Vous voyez où ils sont, là. Par exemple, il va en Espagne, on a créé plein de nouvelles lignes pendant que vous n'étiez pas là. Donc, une ligne vers l'Espagne, enfin, vers les Canaries, parce que... Il faut savoir que les Canaries, c'est des îles espagnoles, au large de l'Afrique. Donc, voilà, il va du Paris-Charles-de-Gaulle à Fuerteventura. Et c'est un Embraer, ERJ-175, donc un avion qui existe réellement. Tous les avions que j'ai achetés, parce qu'on faut acheter avec des sous, il faut avoir des sous. Enfin, des sous dans le jeu, je veux dire. Hein. Dans le jeu, il faut avoir des sous. Il faut avoir des sous dans le jeu. Et il y a plein d'avions. Regardez, là, il y en a deux qui sont à Toulouse. Par exemple, ici, il y a la 320. Qui attend le créneau pour décoller. Bon, ma base elle est de Roissy parce que là, ma compagnie est basée à Roissy. Du coup, les avions là il est à Toulouse et là il attend. En fait, il a fait un aller-retour Paris-Toulouse et là il attend pour aller à Paris pour rentrer à Paris. Mais vous inquiétez pas, c'est des fausses compagnies. C'est en faux. Bah, lui aussi il attend pour décoller. Il y en a plein à Toulouse aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Il y en a un qui va à Toulouse là. Ah bah il est arrivé, il a rentré la porte d'arrivée. C'est bien tout pratiquement la plupart des avions sont à Toulouse. Ah là il y a un avion qui revient. Qui rejoint la porte d'arrivée là. Paris-Vatry à Paris-Charles-de-Gaulle. Et là ici il y a Paris-Charlotte qui est au parking, voilà. Il a fait la liaison entre Charlotte. Donc Charlotte, ça c'est le vrai. Excusez-moi si vous entendez la télé, c'est parce que la télé c'est à côté. Donc c'est une nouvelle ligne que j'ai créée. J'ai créé une ligne vers Lille, donc voilà plein de nouvelles lignes que j'ai créées. Bon, Béziers, Rodez, ça vous connaissez. Il y a une ligne en Espagne, enfin Canaries. Voilà, bon, les Antilles, vous connaissez aussi. Puis à Rio de Janeiro, il fait une nouvelle ligne aussi. Il fait plein de nouvelles lignes. Voilà, donc voilà, c'est mon jeu. Donc voilà. En fait, je fais deux. Donc là, c'est 37 millions d'euros dans le jeu. Enfin, dollars, quoi, c'est des dollars dans le jeu. Voilà, si il y a le planning. Voilà. Alors, on va aller voir le planning de l'ATR 42500. On va aller le voir. Voilà, on va prendre au hasard. Regardez, là, il y a tout le planning. Donc, vous pouvez le voir, tout ça, c'est tout le planning. Tous les points que vous voyez, c'est les vols. Donc, LIL Lille, RDZ Rodez, XCR Paris-Vatry, TLS Toulouse. Et BZR, c'est Béziers. Voilà, tout le planning. Les avions iront partout. C'est pas tous ces avions, mais c'est l'ATR. Le vol de l'ATR, car j'ai qu'un ATR, en fait, il n'y en a qu'un. Après, on voit le 777, donc un avion long courrier. Voilà. Donc, regardez, il n'y a que des vols long courrier. Hein. Pointe-à-Pitre, Lille, Gilles, ça veut dire. Donc, PTP. PTP, c'est un drôle de nom, je sais. PTP, c'est Pointe-à-Pitre, donc la LP. Donc PTP, Pointe-à-Pitre. FUE, Fuerteventura, je sais pas comme c'est une île aux Canaries, ça en Espagne, le C. Hein. Gilles, donc, non, ça s'appelle pas Gilles, mais GIG, c'est Rio de Janeiro. Et CLT, Charlotte. Même s'il n'y a pas de vol de Charlotte. Ah, si, ici, la CLT. Charlotte. Donc Charlotte, c'est en Caroline du Nord. Et là, en fait, en plus de vous montrer ce jeu, en fait, là, c'est le jeu. Donc, bon, c'est pas en vrai, hein. Je suis pas un vrai PDG, vous inquiétez pas. Enfin, il faut mieux pas, je pense qu'il faut mieux pas. Mais voilà, c'est un jeu, faut savoir que c'est un jeu.
Et là, je vais vous montrer les aéroports qui desservent la compagnie aérienne de mon jeu. Voilà, tout de suite. On va sur Google Maps pour voir en plus les aéroports. Ils existent en vrai, hein. C'est pas du fake, c'est en vrai. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, je... Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Annulé. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les aéroports d'où desservent mes avions. Donc les avions de ma vraie compagnie aérienne, car c'est pas une vraie compagnie aérienne, c'est moi qui les ai créés. Voilà, j'ai créé cette compagnie aérienne. J'ai créé une compagnie aérienne, et comme ça, les avions, ils volent. Dans le jeu, là, je vais vous montrer d'où desservent les aéroports. Donc voilà, à Béziers. Donc l'aéroport s'appelle le Cap d'Agde, c'est pas pourquoi du tout. Parce qu'il est à côté du Cap d'Agde, voilà, le Cap d'Agde est ici. Et là, il y a l'aéroport de Béziers-Cap d'Agde. On va aller le voir, tiens. Je connais pas du tout ces aéroports, hein. Non. Par contre, celui-là, j'y passe devant quand je vais au Cap d'Agde. Quand je pars en vacances au Cap d'Agde, je passe juste devant cet aéroport. Donc voilà, départ. Donc ça, c'est l'aéroport de Béziers-Cap d'Agde. Donc là où rejoint mes avions de la compagnie aérienne. Béziers-Cap d'Agde. Voilà. Un aéroport certainement du thème de la mer. Regardez, il y a des vagues parce que c'est à côté du Cap d'Agde. Hein, c'est ça, je pense. Voilà, c'était ça l'aéroport. Hop, alors on va aller à Paris-Vatry. Alors, Paris-Vatry. C'est pas loin de Reims, je sais. Voilà, je reconnais la piste est ici. Enfin, j'espère que c'est ça. Voilà, XCR, c'est les vrais aéroports du vrai jeu. Donc, regardez. Et ça, c'est l'intérieur de l'aéroport. Il est très grand, l'aéroport. Bon, il n'y a pas grand que je pense que ça doit être le soir. La preuve, il fait tout noir. Voilà. Donc, excusez-moi vraiment pour la musique. Enfin, pour la musique, mais pour le bruit. C'est parce que c'est le... Parce que c'est la télé. Allez, on va y voir peut-être l'extérieur. Voilà, c'est ça l'extérieur de Paris-Vatry. Voilà, Paris-Vatry. Hop. Je vous montre tous les aéroports qui desservent mon jeu. Voilà, c'est tous les aéroports de mon jeu, voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà, tous les aéroports que desservent les villes de mon jeu. Bon, l'aéroport de Lille, je vais vous le montrer aussi. Donc, je connais par cœur cet aéroport car je le prends tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais tous les ans quand je vais dans le nord. Alors, on va y aller. Hop, on va aller voir. Regardez, c'est l'aéroport de Lille, ça. Ça, je connais par cœur. En tout cas, ça me rappelle des souvenirs quand je le regarde. Voilà. C'est marrant parce qu'en fait, quand je décolle de Toulouse et quand j'arrive à Lille, moi j'attends ici là sur l'espèce de quai. Et là, il y a un dépose minute et il attend ma tati qui va me chercher et tout. Donc voilà. Après, je vais vous montrer l'aéroport de Toulouse. Bon, je vais pas tout vous montrer, c'est désolé. Pas Paris Charles de Gaulle, car on le connaît. Toulouse, vite fait. Non, c'est pas ici. Toulouse, c'est là. Un aéroport que je connais par cœur. Hein. Parce que quand je pars en avion, c'est toujours ici que je le prends. Mais évidemment, oui. On va se mettre ici. On va se mettre dans le parking. Oh, par contre, il y a les arbres qui me gênent. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en vrai. C'est sur Google Maps, vous inquiétez pas. Heureusement, hein, parce que je ne vais pas faire tous les tours pour regarder exprès les aéroports. Regardez ici, nous avons l'aéroport Toulouse-Blagnac. Il est très grand, cet aéroport. C'est un des plus grands aéroports de France. Pas un des plus grands, mais... En fait, on croit qu'il est super grand, mais il est énorme. Parce qu'en fait, on croit qu'il est énorme, mais pas du tout. C'est parce que là, parce qu'en réalité, il y a des usines Airbus. Donc voilà. Après, je vous montrerai au 2 de la Nero, ce qui va être plus loin. Non, je vais pas tout vous montrer. Voilà, au moins, vous avez vu le gros. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser les commentaires. On va se remettre dans le jeu. Le jeu est ici. Voilà, on se retrouve dans le jeu. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Et surtout, abonnez-vous les amis. Allez, bye bye tout le monde.